Ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode, oui, c'est ce que j'ai dit, de mon let's play sur, j'y arrive, voilà, Rise to Ruins, et bon, on va continuer de se développer. On a eu nos premières attaques de monstres. Je suis pas du tout prêt, hein. J'avoue que là pour l'instant je les ai gérées à la main, on va dire, hein, mais à un moment il va falloir quand même que j'équipe mes soldats. Il y en a déjà quelques-uns qui sont bloqués. Je pense que le problème ça va être là. Oh, sérieux, ils vont toujours chercher la bouffe là-bas. Bon, l'avantage c'est que j'ai une troisième ferme là. Je vais peut-être avoir un problème d'eau du coup, mais ça en passe d'être résolu. Là en tout cas, j'ai un peu fermé. Bon, c'est pas encore très logique. Là, il y a un passage, mais ça devrait le faire. Là, c'est bon. Là, évidemment, il y a une grande ouverture. Ça va être un peu compliqué. Ah, il n'y a pas de travailleurs, là. Pardon. Donc ça, c'est pour les cristaux. Pardon. Je sais pas trop à quoi ça sert, donc on va en mettre un pour l'instant. Pas plus, parce que honnêtement, j'ai aucune idée à quoi ça peut servir dans les médias. On verra au fur et à mesure. Hein. Alors... Réfléchissons. J'ai les pierres, ok. Donc on va faire une tour de défense pour pas avoir trop de mauvaises surprises quand même. On va la faire. On peut pas aller plus loin que ça. Bon, on va s'arrêter là, pourquoi pas. Donc c'est là qu'il faut des cristaux. Donc ça tombe bien, je vais les récolter, on verra si j'en aurai assez. Donc la nourriture c'est bien, je commence à stocker. L'eau, on va tout de suite mettre plus de monde. Watermaster, ok. Donc là on a juste nos... J'espère qu'ils vont y arriver. Ouais, ça m'a l'air... J'espère qu'ils vont pouvoir plus produire. 5 villageois en dehors du village. 5 maisons sans nourriture. Mais ça, c'est pareil, ça. Je pense que ça va s'améliorer. Des nomades. Alors là, j'espère qu'on va avoir des nomades. Hein. J'ai construit une maison au cas où. Tout à l'heure, elle n'a pas servi. Mais j'espère que cette fois, elle va servir. Alors, ce que j'aimerais construire, c'est... Ah bah c'est bien, les cristaux c'est déjà fait. Ce que j'aimerais construire c'est... manufacture, l'armor smith, la forge. Ouais, il va falloir une forge pour les lingots et tout ça, donc on va passer... à l'étape suivante. Donc ça on va tout détruire. Ok. Bon, en général c'est quand même relativement rapide. Tant que j'ai beaucoup de builders, ça va. Quand j'en aurai plus, on risque d'avoir un petit problème. Mais bon. Pour l'instant, ça va. J'espère que je vais récupérer des nomades. Allez, encore un coup là. Parfait. Alors, il nous faut quand même 16 pierres ciselées. J'en ai assez, donc c'est bon. Là, ils vont me construire la tour. Alors, j'avoue que je sais pas comment elle marche. Hein. J'ai jamais été aussi loin, entre guillemets. Alors. Alors, la bow tower. Just complete the ammunition. You need... Oh, un villageois. Ok, donc là, il me faut des flèches. J'espère que j'en ai. Normalement j'en ai. Hein. J'ai gagné qu'un villageois, il abuse là, il aurait pu m'en donner plus. 43, hein. Bon. Faudra faire avec. Tiens, là il porte les flèches. Alors les graphismes, c'est pas du extraordinaire quand même. On voit carrément le petit fagot de flèches qu'il est en train de porter là. C'est assez marrant. Ok, donc il a... Combien de flèches? 20 flèches peut-être?
0, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai un stock de flèches? Oui, j'ai un tout petit stock. Bon, on verra. C'est qu'un début, hein. De toute façon, pour l'instant, j'ai personne... Si, il y en a un là, d'ailleurs. Mais il est un peu loin, encore. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'en place ici, mais... On va d'abord se développer. Là, ça bosse dur. J'ai l'impression qu'il me faut plus de bois, honnêtement. Je vais faire un upgrade sur le charpentier. Il va me falloir beaucoup de pierres. Mais la pierre, elle est juste à côté, donc ça devrait le faire. La nourriture, en tout cas, ça bosse. L'eau, ça a l'air de marcher. Pourquoi il y a toujours celle-là qui a pas d'eau, quoi? Alors que tous les autres ont d'eau. Il n'y a que celle-là qui a pas d'eau, quoi. C'est terrible, ça. Alors, je serais tenté d'upgrade encore mon... En fait, c'est aussi pour augmenter la zone de build range, là. Bon, après, mon maximum de bâtiments, j'y suis déjà au maximum, donc... C'est surtout pour augmenter le build range. Je serais tenté de rebalancer quelques plantes, là. Ah, il y a un small... C'est con quand même, j'en ai pas plus près. Mais c'est parti. Ouais, je sais pas si c'est très utile. Surtout qu'à un moment, on sera bloqué, je parie. Oh, il y a un combat, là. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui se passe? Non. Non, il n'y a pas de combat. Ouais, c'est presque fini, la forge. Ça, par contre, ça va me prendre du temps. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils peuvent produire des planches au fur et à mesure qu'on fait l'upgrade ou pas? Parce que là, le problème, c'est qu'on est en train d'upgrade le bâtiment qui fait les planches. Oui, je suis pas sûr que ça marche, ça. Là, j'ai peut-être fait une boulette. Ah, merde. Je crois que j'ai fait une grosse boulette. Est-ce qu'on peut pas annuler cette amélioration, là? En fait, il faudrait que j'ai assez de planches au moment où je lance l'amélioration. Je crois que j'ai fait une connerie. Est-ce que le bâtiment il marche plus là? Est-ce qu'on peut l'annuler comme ça? Non. C'est quoi ce bouton là? Ah, j'ai fait une connerie. Je suis sûr que j'arriverai pas à faire des boards là. Et merde. Ouais, je crois que j'ai pas le choix. Il faut que je le démonte et que je le refasse. C'est con, mais... Bon, c'est pas très très grave non plus. Ah, c'est pas là. C'est quoi déjà? C'est raffiné. Bon, d'un autre côté, on va quand même récupérer pas mal de ressources, hein, mais c'est vrai que c'est dommage. En plus, ça va prendre du temps à démonter cette connerie. Bon. Je préfère pas regarder, ça me fait mal au cœur. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de lumière, je trouve. J'ai l'impression que mon bâtiment était attaqué. Ceci dit, j'ai encore des flèches. Bon, l'eau, ça a l'air... Ouh, là aussi, on a été attaqué. Par où ils sont rentrés, sérieux? Ouais, là, il y a quand même un problème ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais détruire ici.
Et je vais refaire le mur comme ça. Ça me paraît un peu plus logique. Damage, a wood wall is being damaged if you have builder in structure. Je sais pas quel est le mur qui est attaqué, évidemment. Ah, c'est là, il est quasiment détruit même. Je peux pas leur dire de réparer. Il faut qu'ils le fassent par eux-mêmes. On verra. Là, ils en viennent à bout de ce bâtiment. Ça fait mal au cœur. Ok, faudra pas que je fasse... Honnêtement, il y a quasiment tout sur place. Hein. Ah si, ils vont réparer quand même. Ah, c'est bon. Ah, c'est cool. Ok. Et donc, faut pas que j'oublie. Hein. C'est un truc bon à savoir. Pour lancer le bâtiment, il faut que j'ai assez... Oh putain, c'est un carnage, là. Ah, j'ai tué un... Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Il a pas tiré, ou... Ouais, peut-être qu'il a tiré, mais il a pas tué. Ou alors, il est venu de par là. C'est une possibilité, aussi. Il y a beaucoup de monstres. Hein. Il y en a un petit peu partout, des morts, là. Donc j'espère qu'on va s'en tirer. Ça, je vais le mettre en super top prioritaire, s'il vous plaît. Parce qu'on va quand même avoir besoin de ce genre de bâtiment assez rapidement. Ils emmènent ça où, là, les cocos? Ah oui, j'ai encore ça à faire, c'est vrai. J'avais lancé cette amélioration. Et pourtant, je suis loin de l'avoir mis prioritaire, ceci dit. Bon, là, ils vont... Ce qui est bien, c'est que tout est sur place, donc... La plupart du matériel est sur place. C'est quand même un bâtiment qui coûte relativement cher. Mais bon. Il coûte combien, là, en bois? 48 bois, putain. Et off. Ah, il y a un combat. Il faudrait qu'on puisse zoomer sur les combats, mais je crois pas que ce soit possible. Du coup, il faut que je les trouve. Ah, il est là. Ah, c'est bon, on est en train de les massacrer. Ah, ça me fait penser, il faudrait que je fasse le bâtiment. C'est bon, il est mort. Il y a un bâtiment pour soigner les habitants. C'est la clinique. On va faire ça tout de suite. J'aurais bien aimé la caser là. C'est pas trop possible. Ah, ça, faut que je l'enlève aussi. Hein. Ok. Ah, il y a encore un combat. Ah, là, il s'est fait tirer dessus. Ouais, ceci dit, ça lui a rien fait. Bon. Pff, c'est bien beau, les flèches, mais c'est un peu inutile, j'ai l'impression. Donc, il y a 20... J'ai l'impression qu'il y a 20 munitions par tas de flèches, en fait. Ouais, elles sont pas très puissantes, mes flèches, j'ai l'impression. Hein. Tiens, là, il y a eu un mort. C'est un zombie. Ah, c'est la nuit, hein. La nuit, c'est super chaud. On est en train de l'avoir, là. Ok, c'est bon. Donc là, il y en a un autre qui arrive. C'est quoi, ça? Un enfant zombie. J'espère que les enfants zombies, c'est facile à tuer. Putain, il y en a un autre, là. Qui c'est qui me tape dessus, encore, là? Summer. Ok, on va pas voir. Essence. Have you noticed the sparkling green spot on the map? Can collect by moving your hand near it. Ah, alors, est-ce que j'ai... C'est ça, là? Eh, on peut le ramasser, ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être à récupérer un peu de magie. Ceci dit, là, je vais le balancer.
On va voir si on peut récupérer, si c'est ça. Oui, c'est ça, ça le fait remonter la magie. Donc ça peut servir. Là, il faudrait par exemple qu'on sauve notre villageois, ça devrait être bon. La nuit est finie, je crois, là. Ouais, c'est ça. Donc on va avoir un peu de répit, là. Un peu moins de monstres, je pense. Ok, on va pouvoir réparer les bâtiments, peut-être. Je pense qu'ils ont pas mal de choses à faire. Et nous, il faut qu'on revoie un peu tous les murs. Le problème, c'est là, entre autres. Il y a encore un child zombie, là. Là, il y a un problème aussi. Je pense que le bois... non, on n'en a plus en stock. C'est de la pierre qu'on a en stock, maintenant. Ah, j'ai pas fait de travailleur pour la forge. Carpenter, on va en faire deux. Smelter, pour l'instant, on va en faire un parce que je commence à être un peu short en habitant là. Donc la forge, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc de l'iron et on produit des lingots. De l'iron, je crois que j'en ai pas mal. Ouais. La bouffe, ça va, j'ai un bon stock. L'eau, je pense que j'ai pas eu de message depuis longtemps, donc ça a l'air d'aller. Donc maintenant, il va vraiment falloir améliorer notre défense pour la prochaine nuit. Et peut-être mettre aussi un peu plus de lumière. Ok, déjà, on va faire ce mur. Ah, là, c'est pas bon. Je sais pas comment faut faire, honnêtement, pour les diagonales. Ok, là, on sera un peu plus tranquille. Ceci dit... Blight a turned a nomad corpse into a zombie. Oui, bah ça... Il y avait un zombie qui est né d'un nomade qui est mort. Je sais pas où il était, ce nomade, mais... Ceci dit, je sais pas si on n'aurait pas pu le récupérer, le nomade. Je sais pas comment ça se passe. Oh, c'est trop tard, il est mort. Hein. Donc là, avant de faire l'upgrade, il faut que j'attende d'avoir 8 boards. C'est assez important. Non, non, j'ai pas envie de faire des pauses dans les bâtiments, moi qui suis me raconte. Là, évidemment, ils se mettent du mauvais côté du mur, hein, mais ça, ça c'est un classique. Ah, c'est quoi ça? Graveyard spawn. Ouh, je sens qu'on va avoir un problème là. Allez. Il faudrait qu'ils arrêtent de récolter de la nourriture ici parce que ça va pas sentir bon là. Et du coup, on n'a aucune source de nourriture autre que... Ouais, c'est quand même très chiant, ça. Donc je pense que le prochain coup, on aura des problèmes ici. Je sais pas comment on va faire. Donc là, il me faut 8 planches. Hein. Je peux rien faire tant que j'ai pas mes 8 planches. Là, alors pour ce qui est des défenses, on n'a pas encore de portail par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon... Ah, mais ça me demande 8 planches quoi. Il faut que j'attende d'avoir mes 8 planches absolument. Ce que je pourrais faire, c'est faire plus de Crystal Harvester déjà. Et je vais faire plus de Lumberjack. Alors je sais pas où c'est... Plus de Lumberjack et plus de mineurs. Comme ça, on fera plus de stock. Tiens, c'est quoi ça? Dismantle building. Non, non, mais je m'en fous de dismantle mes buildings. Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, ce qui m'intéresserait de pouvoir faire, moi, c'est des portails. Pour l'instant, je peux pas en faire. Je pense qu'on pourra à l'avenir, mais il doit me manquer peut-être des bâtiments. Ça, c'est les tours. Spray Tower, c'est quoi ça? Stone Cutry. A lightweight boat tower that should large and create. Ouais, Sling Tower. Honnêtement, moi je préfère ma petite boat. Il y a un combat quelque part. Ok, c'est là. Ça a l'air d'être fini. Ouais, c'est fini.
J'ai pas 8 planches encore, j'attends. C'est un peu long, j'avoue. Il y a encore un combat quelque part, sérieux. Faut que tout va venir d'ici, je crois. Allez, ouais, encore un qui arrive ici. On va faire un mur, même s'il va être très très long ce mur. J'ai pas fait ma clinique non plus, j'ai dit que je voulais la faire. Oh, putain, j'ai pas la place où la faire. Je trouve qu'il récolte pas beaucoup de cristal là. Je sais pas ce qu'il glande. Il va m'obliger à faire ma clinique à un endroit où je voulais pas la faire, mais. Là il y a un slime. Il y en a deux d'ailleurs. C'est bon, on va le tuer là. Ouais, celui-là, on va le tuer. Je crois que je pourrais lancer un soin peut-être. Ok. Je vais en lancer un aussi ici. Ok, celui-là est mort. Celui-là n'est pas mort encore. C'est bon, il est mort là. J'ai l'impression que plus personne ne fait de planche de bois là. Il y a un problème d'eau ou quoi là? Ouais, j'ai un villageois. Ah, je pense que je consomme plus d'eau en fait. Puisqu'on est l'été, et l'été c'était marqué clairement qu'il y aurait besoin de plus d'eau. Ouais, j'espère que ça va bien se passer quand même. Il y a un bâtiment qui est attaqué encore. Malheureusement, on peut pas aller directement. Tiens, c'est là. Ouais, on est en train de l'avoir. Hein. Yes, on l'a eu. Bon, il me coupe du bois là, sérieux. Je crois qu'ils sont en pause. Hein. Quand il fait trop chaud, ils vont dans les maisons. Je pense que c'est en train ce qu'ils. Comment ils s'appellent là? Je peux pas voir leur nom. Est-ce que je peux pas cliquer dessus directement? Non. On peut pas voir vraiment ce que font les gens, où ils sont quoi. Ça c'est dommage. Ah, il répare. Il a encore attaqué lui, sérieux? Ça devient. Continue cette attaque. Pregnant. Ah, je vais avoir un petit. On est 44. On a un petit peu augmenté par rapport à. C'est bon, on s'en sort là? Je vais balancer un soin, on ne sait jamais. J'aimerais éviter d'avoir des morts, c'est déjà compliqué de gagner de la population. Oh merde, en voilà un autre encore. Je pense qu'on va vite le tuer celui-là. Mon soin continue en plus donc. Ah voilà, là il est reparti au travail. Ah merde, j'ai balancé un sort sans faire exprès. Ce que je peux faire, honnêtement, c'est regagner toute ma magie en récoltant les. Enfin, récolter. Regagner toute ma magie. Une partie de ma magie au moins. C'est tout. Ok, on va dire que ça suffit. Ah, ils sont en train de me faire mes planches là, c'est pas trop tôt. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a toujours qu'un qui travaille, ou alors on en voit qu'un qui travaille, mais l'autre est actif quand même, mais bon, j'ai quelques doutes. On est à 8, là je crois qu'on pourrait y aller. J'ai peur qu'il l'utilise pour quelque chose d'autre, je pense pas. On est à 9, start grade, on va le mettre au top. Normalement, j'espère qu'il va tout dépenser pour ça. J'en ai besoin nulle part ailleurs en théorie. Hein, donc, ça devrait le faire. Parce que déjà, ça m'inquiète un peu, c'est que j'étais à 9 et que je suis plus qu'à 8. Donc j'avoue que ça m'inquiète un peu.
va voir. Alors, ce que je vais faire, c'est détruire ça, là. Ça nous fait de la place, quand même. C'est pas plus mal. Alors, faut pas que je détruise les ressources, faut pas que je détruise les bâtiments. Un peu compliqué. Et là, ils apportent pas... Alors, ce que je vais faire, c'est je vais leur dire de couper un peu plus de bois, là. J'ai l'impression qu'ils sont à court. Pas vraiment, ça m'étonnerait qu'ils soient à court. Ah, peut-être que si. J'ai plus de stock, je suis à 3, donc... Le stock a baissé, je suis plus qu'à 6, là. Ah, là, ils en apportent une. 4. Ok, je pense que ça va le faire. Ah, là, il y a des essences à ramasser. Ah, c'est bon. Là, je sens que je vais mettre mon... Je vais faire mon mur. Alors, je vais annuler ça, là. Je vais faire mon mur ici pour qu'ils arrêtent de nous saouler. Ah, mais on est très limité là. Est-ce qu'on fait un mur en pierre direct ou peut-être pas? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ça pour pas que mon mur soit. Là, il y a quand même un truc qui m'échappe, c'est qu'il y a un truc là, là. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est à enlever aussi ça. Je sais pas pourquoi, mais on va le faire. J'espère que ça avance. Ouais. Tiens, là, il apporte une planche en plus. On est presque bon pour ce qui est des ressources. Hein. Après, il restera plus qu'à construire. Ça se bat quelque part. Putain, ça se bat là. Il est temps que je fasse mon mur. Hein. Parce que j'avoue que c'est le bazar, là. J'aurais bien fait un truc genre portail, mais je sais pas si c'est possible. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. J'ai essayé. J'ai pas accès à ce genre de bâtiment. Je pense que je vais arrêter la vidéo. J'aurais bien aimé finir. C'est la nuit, ça va me saouler. Ça va me saouler parce que je vais pas pouvoir gérer tous les monstres. On n'a pas fini le mur. Il me manque beaucoup de pierres quand même. Je ferais peut-être plus d'organisateurs là. Comment ils appellent ça? Organizer, je crois. Pour qu'ils ramassent un peu tout ce qui traîne. Ouais, c'est bon, ils rapportent la pierre. Là, faut qu'ils finissent le mur absolument. Et je ferais bien une lumière juste derrière le mur en fait. Pour qu'on puisse voir ce qui s'approche. Comme ça. Commence à être pas mal pour ce qui est des défenses. Honnêtement, à part sur à cet endroit-là, ils vont pas pouvoir arriver par beaucoup d'endroits, je pense. Bon, la bouffe, c'est largement bon. Ah, c'est en train de se battre quelque part, là. Il y a un headless. Allez, fais-lui la peau. Là, ils sont deux à lui taper dessus. S'ils avaient fini le mur aussi, on n'en serait pas là. Ah, c'est sacrément résistant, ces headless à mormol nœud. Ah, il y en a un autre là. Encore un headless. Mais il est mort. Ah, j'y suis presque, sérieux. Plus qu'une pierre et c'est bon. Mais j'arrête la vidéo. On est sérieux, on est à 29 minutes là. Ça urge. Et ça, il y a ça, là. Faudrait que je m'en occupe. Ah, je crois qu'il va finir, là. Et dès qu'il finit, il faut que je mette deux charpentiers sur le coup. Toujours pas. Ah, c'est cool. Carpenter. Ah non, 3 au lieu de... Ah, c'est pas énorme, hein. Peut-être que j'en fasse juste un autre de plus, en fait. Un bâtiment de plus.
Voilà, j'espère qu'ils vont me finir ça vite fait. J'ai pas beaucoup, j'ai pas accès à grand chose pour ce qui est du militaire, je trouve. Alors, on va de ce pas faire une upgrade de plus. Ça me donnera peut-être accès à d'autres bâtiments. On va faire une maison de plus au cas où on aurait des nomades prochainement. Est-ce que je peux faire ma clinique là? J'ai toujours pas la place où le mettre, sérieux. Mais qu'est-ce qui glande ce... C'est vraiment un maxi glandeur celui qui récolte les cristaux là. Non, c'est pas grave. Je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. Ah, ceci dit là. Non, ils font le ménage ceux-là, il faut pas. Si, voilà. Alors, de quoi j'ai besoin en priorité? De. Armor Smith, c'est ici. Merde, c'est sacrément grand là. Il me saoule avec tous ces cristaux. Faut absolument qu'il me vire ça. Bon, c'est pas grave, on va se mettre là. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vous retrouve demain pour la suite de ce Let's Play.